Mandala est une forme centrée qui permet aux gens qui l'utilisent sous diverses formes de se recentrer sur soi, de se détendre, de se relaxer. C'est aussi un outil d'accompagnement thérapeutique que j'utilise dans mon cabinet à Richwiller en tant que sophrologue. C'est un outil qui permet vraiment d'aller chercher au fond de soi et de travailler sur soi. Palma et moi, et avec une autre amie qui s'appelle Nicole, nous organisons les ateliers mandala à Vitaru, dans le cadre de Vitaru, sous divers domaines. Donc soit des mandalas géants collectifs, comme vous pouvez voir là, qui consistent à créer dans la nature, avec des éléments de la nature, pour reconnecter la nature. Ensuite, on propose des ateliers à dessiner avec des craies, des ateliers dessins, comme vous voyez sur la table. Là-bas, les gens dessinent, des ateliers, des mandalas prédessinés, avec des bouchons. Prochainement, on apportera aussi de la peinture, enfin voilà, du collage, le mandala sous toutes ses formes. Le 19 juin à 19h, à la forêt de Lutterbach, nous organisons un atelier mandala géant collectif en forêt, au pied d'un vieux chêne de 250 ans. Donc mon compagnon Serge sera là avec le hang et Palma et moi nous serons là pour le mandala géant collectif. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Monsieur